On stack un peu d'oseille aussi. Canaval, une tuerie. Canaval était énervé. Ça lui avait Stargate Univers avant qu'il change de nom. Ah ouais? Happiness. Et là, c'est quoi? Orbite lunaire. Allez, bam, on fait l'orbite lunaire, nous. On en a rien à foutre. L'homme dans l'espace, c'est maintenant! C'est maintenant! Oh, il pleut. Qu'est-ce qu'on fait? Kebab MK2. Est-ce qu'on lance Kebab MK2? Non, là c'est dangereux là. Moins 14%. Non, 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 non. On reprogramme, on reprogramme. On reprogramme. On reprogramme. Dans un mois. Voilà, on sélectionne une date. Je retourne dans l'ombre. Hashtag Covid. Putain, bon courage, Ekat. Examen budgétaire, janvier 1962. Prochain examen budgétaire, ok. Bah oui, on gagne toujours pareil. Entrepreneur, recherche terminée. Débloque les entrepreneurs pendant la construction du véhicule. Ressources précieuses. R2, exploration humaine de l'espace. Les premiers satellites encerclent la Terre. Le monde d'en dessous est de plus en plus captivé par l'idée de l'exploration spatiale. Les humains peuvent-ils survivre aux rigueurs de l'espace? Et pourrions-nous même poser le pied sur une autre planète? Peut-être. Peut-être pas. Aucune recherche définie. Donc là, je pense qu'on va essayer d'équilibrer. Là, on est arrivé aussi à l'R2. Et en termes de mission, ça va être ça le prochain délire. Il faut qu'on ait une mission pour après. De toute façon, on va se rechercher en 2-2 la truc. Donc Terre. Là, on va la lancer. Orbite. Là, on passe à... Nous, on passe à l'R2. Lune. Orbite lunaire. Voir le plan. Oui. Définir la date. Putain, mais j'ai pas ça. Formation, j'avais pas choisi tout ça. Fait chier. Définir un entraînement ciblé. 86. Bon, vas-y, on va prendre de la... On va prendre de la... De la truc. Définir date de lancement. De toute façon, 1, 2... Ah, là, ils le font. Février, bon, on peut le faire mois prochain. On peut le faire en... On peut leur voler. On peut leur voler. Ah, on va le faire là. On peut le faire là. Vous, troisième. Dans un mois, vas-y, c'est bon. Moi, je le fais. Moins, plus 100% pénalité de fiabilité de lancement pour les... Pour les fenêtres de lancement sous-optimales. Quoi? Pourquoi ce serait pas optimal? Merde. Ah, c'est qu'on fait un double lancement et ils aiment pas? Ah non, c'est bon. Allez, bam, c'est parti. On fait un double lancement le mois d'après. Hein. Double lancement. Double lancement. L'homme dans l'espace, c'est maintenant. Aperçu de la mission, risque modéré. Préparatif du lancement, 65%, 88%. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous êtes hypé? Orbite lunaire, putain, mission de lancement, pareil. Quoi, j'ai rejeté? J'ai rejeté un truc? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, il l'a pas lancé. Si, ça lance. Ah si, happiness. Ah non, ça c'est la lune. Qu'est-ce que j'ai branlé? Pourquoi on n'a pas fait l'autre lancement? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas ce que j'ai fait. Mais là c'est pas le. C'est pas le truc de. Là c'est le truc de la lune. C'est pas le truc de. Merde.
Bon, au moins ça a décollé, mais ça c'est le truc de l'orbite lunaire, c'est pas le truc de l'humain dans l'espace. Qu'est-ce qu'on a foutu? Ouais, ça on s'en fiche. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Collecter 2 et 2. Ouais, ça on s'en fiche. On va le laisser faire. On va pas le laisser faire? Merde. Alors on a 6 d'énergie. En plus ça c'est un truc basique. On peut faire. Il veut quoi du coup? Il veut des bleus. Il veut des bleus. Ah, je peux faire ça. Mais je peux pas. Pourquoi je peux pas les cramer? Attends, les rouges, je peux les cramer, pourquoi? T'appuies sur notification suivante, donc ça devrait quand même le faire. D'accord. Bon. On va voir. Optimisation de la trajectoire. Yo, Oracles. Ça va ou quoi? Optimisation de la trajectoire. J'annonce. Le premier qui fait chier Oracles, je le fume. Comme ça, c'est dit. Ouais, tranquillement. Je suis bien remis d'hier. C'était marrant. Ah bah si, mère, tu es sous protection. Tu es sous protectorat. Tu es sous protectorat ici. Touche pas au poteau des poteaux. On s'en vient ici. Non, ça va. En plus, là, on est calme. Là, on est calme. On est sur un jeu dans l'espace. On est calme. On ne crie pas. Je crierai que si on tue un astronaute. Putain, mais du coup. Test de retour signal. Je produis deux comme ça. Mais en fait, ça, je m'en fous. Là, avec deux énergies, je produis deux comme ça. Et un là. En fait, si je le fais deux fois, si je le fais un, deux, trois. Bah voilà, en fait. Là, ça fait tout. En un tour. Ça, je reviens, je vois déjà Warp. J'ai quel enfer. Oh, oh le bruit. Eh, je vous ai vu en plus, vous étiez en vocal tout à l'heure. Avouez, ça faisait une petite game de quelque chose là. Vous êtes encore en train de vous insulter sur LOL. Ça joue fort à League of Legends. Putain, ça dégoûte. Ça dégoûte. Y a des chances. Bon bah c'est bon, succès de la commande. Nickel. Ah mais ça peut échouer, ça peut échouer. T'aimes pas. Moi je suis une teub à LOL, j'ai pas pris le train assez tôt. J'ai essayé d'y jouer et tout, on m'a mis en. Comment ça s'appelle là? En. Le truc où juste t'arrives, t'es sur un pont, tu te pètes la gueule là. Non mais il fait du bruit lui. Et en fait j'aime bien parce que moi je jouais au mode Dota 2 sur Warcraft 3. En ARAM. Ouais c'est ça, en ARAM. J'ai pas kiffé de ouf. Oh let's go! L'orbite lunaire là! All random, all mid. Ok, ARAM. Et elle m'a dit, tu vas voir, c'est bien et tout pour apprendre. Et bah, moi, j'ai joué vraiment au mode bah, Dota 2 sur Warcraft 3 à l'époque. J'avais genre 12 ou 13 ans. Et en fait, j'ai pas follow la mode des MOBA au moment où c'est sorti en jeu indé. Enfin, en jeu exclusif, quoi. Bah.
Styx. Styx. Allô? C'est quoi cette glissade intersidérale là? Non, le yeuve, le papy, il s'est endormi sur son. 100%, il s'est endormi sur son téléphone là. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mal. Qui s'est endormi sur sa souris, je sais pas. Merde, mais du coup, attends, faut recommencer une deuxième fois. Putain, mais l'enfer! J'avais pas compris ça comme ça. Collecte de données visuelles, il faut qu'on le fasse? Non, qu'on le fasse pas. Moi, je dis, il nous faut 5 comme ça. Et c'est effectivement une glissade. C'est la deuxième mission, putain. Il clique à gauche, il clique à droite. Merci Zaza de me rappeler que mon âge commence par un 3, mais puis par un 2. Et qu'on va pouvoir chanter. Aïe 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 aïe. Bon, faut que je réfléchisse là. Si je fais 1, 2, 3, ça. 1, 2, 3. Ah, mais j'aurais pas assez. Tu peux avoir beaucoup de mini-jeux en fonction des étapes de la mission. Ah ouais, non, mais là c'est chaud. Alors là, je peux faire 1, 2, 3, soleil. Attends, après, si je déclenche mise à jour, si je fais 1, 2, 3, j'en ai 3 comme ça. Je dépense 1, 2, 3 comme ça. J'en ai 2 plus. Là, j'en ai 6 plus 3. En vrai. Moi, je vais être obligé de faire ça. Genre, tour 1, je fais. J'ai 3 tours. 4 tours restants. Non, nickel. Il faut pas que ça foire. On va 1, 2, 3. Ok. Ok, donc là, j'ai les 6. Confirmé quand même. Normalement, ça devrait passer. Ça devrait passer plutôt large. Résister. Défaillance. Un dysfonctionnement. Mais putain, enculé! Non, je dépenserai pas un. Ah, mais après, faut que je fasse de l'énergie. Du coup, là, j'ai fait quoi? J'ai fait mes trois comme ça. Là, je refais 1, 2, 3. Et anyway, en gros, je vais dépenser ça. Ouais, ça devrait le faire. Allez hop, on confirme. Méga succès. Great success. Ensuite, on fait recharger de l'énergie. Trois fois. 1, 2, 3, confirmer les commandes. Ok. Et ensuite, je fais. Qu'est-ce qui se passe? Dernier tour. Ben oui, je sais. Mais arrête de t'exciter. Arrêtez de vous exciter, monsieur, là. Collecte de données visuelles. Non, 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 non. Maintenant, on transforme des comme ça en comme ça. 1, 2, 3. Normalement, ça passe. J'aime bien, c'est qu'on peut cliquer pour accélérer le processus. Nickel, 50% de bonus. Je cite pas le jeu, hein. C'est moi que
On a la troisième place en plus. C'est-à-dire qu'en plus d'envoyer des gens dans l'espace, en plus d'envoyer des gens dans l'espace, nous, on leur nique les troisièmes places sur les explorations lunaires et tout. Donc, je tiens à dire. Ouh! Ouh! On a débloqué Vénus! Impacteur de Vénus, orbite de Vénus. Donc là, on a moyen d'aller faire des trucs. Mercure, pareil, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à aller chercher. Et Mars, non, nous, c'est Mars qui nous intéresse. Genre, l'atterrisseur martien, direct, ça, c'est. R numéro 3. Mais déjà, concentrons-nous sur la Terre et la Lune. Je pense qu'on va envoyer des gens sur la Lune en premier. Ça sonne. Qui est l'imposteur? C'est-à-dire que j'ai jamais joué à. J'ai jamais joué à. À Among Us. Among Us. Orbite et équipage multiple. Ouais, ça, c'est la truc d'après. Mission active. Prépa au lancement, bah prêt au lancement. Bah on fait. Ah putain, oui d'accord. Ah putain, il pleut! Il pleut! Ah putain, il pleut, ça pue ça. En vrai, moi je dis ça peut le faire. Allez, vas-y. Allez, vas-y, c'est bon. Moi j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. J'y crois. N'empêche, t'es astronaute. Ah, ça doit faire mal aux oreilles. Merci Sergent Yo. Merci pour ton troisième mois de Prime. Batterie longue durée pour. Oh, d'accord. Plus 1 pour la durée de la mission. Incroyable. Il pleuvait, mais c'était un événement extrêmement réussi. Grand succès. Pas mal. Merci beaucoup pour le troisième mois de Prime, Sergent Yo. Du coup, je dis toujours Sergent Ayo plutôt que Sergent Tio. Atteindre l'orbite terrestre. Là, je peux le faire en automatique ou pas? Ah non, je peux pas. Parce que j'ai pas fait. Équipage. Il s'agit d'une mission avec un équipage. Ce qui signifie que la ressource d'équipage est disponible. Je peux la mettre dehors. 1 sur 1. Continuez. Crew peut être utilisé sur des commandes qui génèrent généralement plus de ressources que d'habitude. Vous n'aurez qu'un nombre limité de crew par tour, mais ils se réapprovisionnent au début du tour suivant. Ok. Donc là, là il nous faudrait 6 et 10. Oh là là, ça va être compliqué. Là, on a 4 tours. Donc on a 12 tours au total. Et il faudrait qu'on arrive à produire 6 et 10. Ok. T'es le seul à le faire, ce qui rend encore plus particulier le stream à mes yeux. Mais je sais pas pourquoi, mon cerveau il le lit comme ça. Je suis désolé. Bon, au moins on complète ça, mais j'aimerais bien faire le 6-10. Parce que clairement, là on fait juste. Un homme, ça fait deux comme ça. Alors.
Ça pourrait être pas mal. Sachant qu'après ça, je peux en faire quasiment 4 par tour. Bon, on va voir ça. On va voir ça. C'est pas ouf. Putain, les... Par contre, les phases de... Oh là là. Ok, succès critique. Incroyable. Ok. Ok. Là j'en ai 5, il m'en faudrait au moins 5 comme ça. C'est-à-dire que déjà lui... Imaginons, je fais ça. Donc j'utilise l'électricité aussi. Donc là j'en ai 3. Là je fais 1, 2. J'en aurai 7 et 6. J'espère que ça passe. Oh putain. Ah! Cette commande coûtera un supplémentaire à moins que vous ne dépensiez un d'énergie pour résister. En bref, je peux résister. Ok. J'ai 5 sur 5. Non, mon bâtard. Vraiment? Ok. Donc là, il me faudrait un comme ça, ce qui me ferait 2 et 2. C'est pas ouf. Si je fais ça... Putain, mais 35% d'échec, quoi. C'est chaud. Là, je suis à 9. C'est-à-dire que je suis à 9. Attendez, attendez, je suis en train de me perdre. Comme ça, j'ai deux trucs bleus. Je peux échanger ça contre ça. Et ça contre ça. Et que je suis à 12 et 6. En théorie. En théorie, je suis à 12 et 6. Allez. Ok. Cool. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Non, ça pue. 12 et 6. Merde. Bon, je résiste. C'est bon. Ah, c'était terminé. Let's go. Ouais, c'est bon ça. J'ai cru que ça allait pas s'ouvrir, qu'elle allait mourir. Russell. Putain, l'eau, on dirait un fond d'écran Windows 98. L'eau, elle est absolument dégueulasse par contre. Si tu as de l'énergie en supplément, tu peux corriger les fails. Ouais, j'ai bien vu. L'homme dans l'espace, pionnier de l'espace. Oh là là, 788 pendant 4 mois, 1260. Là, on est au top du top, hein. Russell, convalescence, 6 mois. Ouais, d'accord. C'est vraiment mal. Kebab Space Programme. Évidemment, premier. Premier sur l'info. Aucune mission active pour le moment. Sélectionner un corps planétaire. Bah là on est premier. Orbite. Équipage multiple. On va juste attendre un mois. Genre, mois suivant.
Gagner 400 soutiens. Let's go! On est à 2700. Orbite à équipage multiple. Voilà. Japon terminé orbite lunaire. Ils sont en quatrième. On leur a niqué la troisième place. Bon, en même temps, on joue en facile. Moins 25% coût de 5 mois. Quoi? Charge utile Gemini. Ça, voilà. Ça va être bisous. C'est combien? Masse 3800 kills. Us. 3800 kills. Et est-ce qu'on a ce qu'il faut? Capacité 8000 propulseurs. Donc on a les propulseurs, mais je crois qu'on n'a pas, on n'a pas ça. Distance max, planète intérieure, planète intérieure, planète intérieure, Titan 2. Orbite terrestre. Capacité 800. Ça, c'est un propulseur. Étage supérieur de capacité 3800. Il nous faudrait ça, Titan 2. Distance max, orbite terrestre, coût 1 million. 1 million. On va aller sur d'autres trucs, je crois, en attendant. Ça va nous coûter tellement cher. Bon, on verra. 1 million. 1 million. En vrai, j'ai mis recherche terminée. Oui. Tout comme mes octets. Je peux faire crédit, j'ai 3 millions sur Stardew. Quoi? Comment t'as fait pour avoir 3 millions sur Stardew? Non mais, improbable. J'avoue que d'un coup d'un autre, Didier, elle peut renverser complètement le game des octets. Hein. Elle tryhard. Non mais elle tryhard. C'est du tryhard. Je suis d'accord que c'est du tryhard. Récompense scientifique 2400 sur 12 mois. Et là on a combien? On a 1400 sur 4 mois. 1600 sur 4 mois. Oh non, il y a moyen qu'on aille chercher ça en fait. Hein. Mission survol de Mars. Hein. Quoique, on est déjà dessus. On est déjà dessus. Il faut aller chercher. Là, on l'a de toute façon. Aucune recherche définie. On est obligé. De toute façon, si je fais ça, défini orbitage, équipage multiple, suggestion de pièces pour les véhicules. Donc, un propulseur là. Donc, ça, j'ai déjà. Il me faut un étage supérieur qui soit en mesure de tenir le délire. 1 million, 1 million 2, 815 000, 80%, 80%, 70%. Lui, il fait 4000 kills. Temps de construction 3. Mais il est parfait en fait, le Titan 2. Il a une bonne fiabilité. Masse 8000 kilos. Ah, capacité 8000. Et oui, c'est là où on va être baisé en fait. Et lui, il est distance max orbite terrestre. Sachant que ça, on pourrait le faire. 1 million de. Vas-y, on va faire celui-là. Delta K, recherche terminée. Hop, on prend ça. Plan de mission. Sélectionner la charge utile. Putain, déjà, rien que la charge utile, ça va nous coûter une couille! Non, fiabilité, coût de construction augmenté, pourquoi? Plus de capacité d'équipage augmentée? Non, mais c'est bon. On va pas déconner. Plus d'infos. Il va falloir que je recrute quelqu'un d'autre, quel enfer. Optimisation est pas assez fort comme mot pour définir ce qu'Alendra fait sur Stardew. Débrouillez-vous. Bon, on va prendre la standard. Après, elle a plus d'énergie. Non? Eh, quoique, avec 3 personnes, je pourrais faire des trucs de ouf, je pense. En vrai, vaut mieux payer 800 000.
Allez hop, construire la charge utile. Dans 4 mois, c'est bon. J'aurai jamais assez de thunes, jamais assez de thunes pour faire ce que j'ai à faire. Jamais j'ai assez de sous, aucune recherche définie. Planète intérieure. Ça, ça coûte cher. Étage supérieur, capacité 800 kills. Et en gros, si jamais je fais de la recherche, genre sur survol, mission survol de Mars. Putain, le 2400 sur 12 mois, il régale fort. Il régale très très fort. On va prendre ça. On va rechercher la charge qui va avec. Elle fait combien? Elle fait 800 kills. Ce qui fait qu'on fait celle-là. Ça, c'est instant. Là, on est repassé à 113. Et donc là, on peut faire... Centaure, 800 kills, 2 kappa, 4400, planète intérieure, temps de construction, 2 mois. On peut aller chocho ça en fait. On peut aller chocho ça, je pense. Allez, zou. Mois suivant, bam, on a cramé des points, sans torser, recherche terminée. Et donc là, il y a moyen d'aller chercher à la fois... On pourrait faire un doublé. On pourrait faire un doublé. Ah mais j'ai recherché laquelle? Roquette. Test de radiation sur les animaux, vous me prenez pour qui wesh? Les missions conjointes sont des types spéciaux de missions de roquette qui impliquent que votre agence s'associe à une autre agence spatiale pour effectuer la mission. Ok. Mission diplomatique. Non. Mais ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Oh, ils nous aiment pas. Pourquoi on le ferait? Ils nous aiment pas en fait. Laquelle on a recherché? Mission. Impact de Vénus. Ah, on a fait sur Vénus du coup. Ok. On pourrait faire les deux. Mais un pacteur de Vénus énervé. Hein. Alors. Du coup. Vénus. Oui. Alors, un pacteur de Vénus. Bien qu'elle soit notre plus proche voisine planétaire, les nuages denses de Vénus ont gardé ses caractéristiques. Un mystère. Développer une sonde capable de résister à sa formidable atmosphère serait une prouesse technique et permettrait à l'humanité d'avoir un premier aperçu de cette surface insaisissable. Oui. Ok, donc là on a un peu tout. Ah d'accord, carrément. Ouais mais c'est bon, on a déjà ce qu'il faut. Déjà pré-shoot, plan de mission. Putain, 564 000, comment ça coûte une blinde? Ouais non, fiabilité de la charge utile plus important. Définir la recherche. Bonne nuit Alendra. Des bisous. À demain. Bureau de RP. Faire du RP. Entretien 15 000. Entretien 20 000. Mais les bâtiments, j'arrive même pas à tout construire. J'aimerais bien décider parce que ça va être important.
Bâtiment laboratoire de recherche en robotique. Ah, ça va être pour envoyer des robots. Ah, ça peut être pas mal. Coût 1 million. 1 million. Un million. Et base, base, putain, j'ai plus d'oseille moi. Expansion du laboratoire. Mythe de construction atteinte. Fonds insuffisants, bah oui, mais c'est la merde. Il faut, on peut pas avoir un crédit. On peut pas avoir un crédit. Financement. Oh! Ah mais après on aura les sponsors là. Mois suivant. Course à la Lune. Les médias du monde entier parlent de la possibilité de faire atterrir un humain sur la Lune. Beaucoup ont soutenu que votre agence, après votre succès dans le lancement du premier aimant dans l'espace, mais des voix plus sceptiques ont signalé que l'atterrissage d'un humain sur la Lune était un défi entièrement différent. Votre agence a été contactée pour obtenir des commentaires. Ah oui, on va gagner la course. Affirmatif. Les meilleurs. Orbite, équipage multiple, charge utile terminée. Suivant, conception du véhicule. J'espère que. J'espère que. J'espère qu'on va avoir des soutiens là. Concevoir un nouveau design. Débloquer les entrepreneurs. Ah. Bon, vous pouvez débloquer plus d'entrepreneurs en vous alliant à d'autres agences ou par l'intermédiaire d'une récompense pour l'achèvement d'une ère. What? Dans l'arbre de recherche de véhicules, j'ai rien compris. Entrepreneur, Messier Aérospace. Mais du coup, ah mais ça, ah ça me coûte le même tarot en fait. C'est pas compris comme ça moi. Il faut faire des petites missions à côté aussi. Ouais, je me doute que là en fait, là j'ai un peu d'avance. Je pense que là je vais faire autre chose en fait. Là, je vais me keblo comme un con parce que là, je gagne pas assez. Là, je gagne pas assez. Émeraude. Jupiter. Vega. 6600 kilos de poussée Atlas. Atlas. Pardon. Étage supérieur, bah on va mettre pareil, Delta K. Delta K. Désolé. 1 million 5. 1 million 5. 1 million 575 000 dollars. Bah effectivement, on confirme, hein. Mais on le construira pas. Pour la simple et bonne raison que, bah voilà. Je pense qu'on va faire ça en premier. On pourrait annuler la mission aussi, hein. En vrai, vu comment on est en avance, on pourrait grave annuler la mission. Moins 50% coût de construction du propulseur, putain. Plus 50% coût de construction de l'étage supérieur. Merde. Bite. Ça pique.
Sélectionnons un véhicule. Ça se trouve, je vais devoir annuler une des deux missions. Mais quitte à en faire une des deux, je pense que je préfère faire ça. Je préfère faire ça. Le soutien est utilisé pour atteindre des niveaux de financement plus élevés. Donc là, je pense qu'on va gagner quand même pas mal. Avec la mission qu'on a fait. Alors là, du coup, en propulseur, il nous faut ça. Un Delta Kaka. Ou alors un Centaure. Centaure, c'est bien. Ouais, Centaure, c'est bien. Putain, 33% fiabilité. La pile du cul, ça. Propulseur. Déjà 1 million! Déjà 1 million! Un million deux! Un million un. Un million deux. Ça, c'est bon, ça passe. Propulseur. Propulseur, quoi. 1200 kills. Il faut combien? Il faut 4400. Ah bah oui, il faut 4400. Vega avec... et c'est lequel? Celui-là, il coûte 1 million 9. Mais nique-moi. 1 million 9. 1 million 7. 1 million 1. Et bah voilà, on va faire comme ça. Je suis outré. Je suis outré. Mais si Aérospace, c'est les bras. Bah, confirmé, mais confirmé quoi. Voilà, là on va devoir attendre. Vérification du financement. Là il vérifie. Là on passe deux niveaux, moi je pense. On passe au moins deux niveaux, voilà. Donc là, voilà, on va commencer à dégager un peu d'oseille. Là on va commencer. Pourquoi? Pourquoi j'ai... Ah putain, mais j'ai des coups d'entretien là. Ça me termine. Attendez, je vais aller à ma base. Ça, je vais la destroy. Ça, je la détruis. Comment ça? Impossible de supprimer les bâtiments critiques. Arrête. La Ligue m'a tout pris mon royaume pour aussi construire des fusées. Manu tout gars. Because I'm Batman. Oui, Flotch. I'm Batman. Non, mais moi, je veux détruire ça. Impossible de supprimer des bâtiments critiques. Mais de quoi? Critique de quoi? Arrêtez de critiquer, en fait. Merde. Bon, là on va faire déjà un peu plus d'oseille. Mais j'aurais bien aimé détruire ça en fait, là, ça me saoule. Parce que oui, bon bah elle a besoin de la petite, de la moyenne, de mes couilles, bref, on s'est compris. Elle n'en veut pas d'autre. Expansion du laboratoire de recherche, j'aimerais bien faire ça. Groupe électrogène de secours. Ah mais entretien, entretien. En fait c'est tout l'entretien qui me fume. Ça me fume. Ça me fume quasiment 50 000, 60 000 par mois. C'est dur. Oui, bah, extension d'un autre truc de laboratoire. On n'a même pas fait le premier. Donc ça va être compliqué, hein. Sauf si on peut le construire en hauteur, ce serait bien ça. Assemblage de véhicules. Avant d'embarquer pour une mission. Plus grand soutien de notre agence. Ça, en vrai,
En vrai, ça c'est worse. Je pense que ça c'est worse. Plus grand nombre de missions simultanées, ouais. Et ça, il nous faut ça aussi. Ça c'est worse. J'ai 113 de recherche par mois, c'est petit. Hein. Bonne nuit, Peaches Dream. Bonne nuit, Lily. Je vais pas tarder non plus. Hein. Il est incroyable ce jeu, il est incroyable. Je vais y passer du temps, je pense. Je pense qu'on va aller voir. Même si on joue en mode facile, c'est chill. Facile, c'est chill. Ok. Là, je dois avoir de quoi faire. Impacteur de Vénus. Voir le plan. 1 197 000. C'est parti. La vérif du financement, on passera pas. Il y aura rien de fou. Il y aura rien de fifou. Putain, j'aurais peut-être dû faire le truc habité d'abord. Mais j'aurais pas eu de quoi les. Astronaute accusé d'espionnage. Un article de la presse marginale citant une source anonyme a accusé l'un de vos astronautes, Onoka Russell, d'être un espion pour une puissance étrangère. C'est tiré par les cheveux, mais ça pourrait coûter à l'agence une perte de soutien si les rumeurs continuent. De quoi? Ah non! Ah non, on va la garder. Perdu 200 de soutien, c'est la première femme dans l'espace. Vous êtes des ouf! Vous êtes des méga ouf! Vous êtes des psychoquacks! Chine a échoué, homme dans l'espace. NASA terminé, l'homme dans l'espace deuxième. Putain, ils vont me doubler. Ils vont me doubler. Formation aux appareils photo. Un appareil photo a proposé de travailler avec vos techniciens pour adapter ces appareils à la photographie spatiale et de former vos astronautes à leurs utilisations. Ils affirment que les photographies de mission avec équipage pourraient s'avérer extrêmement populaires auprès du public. Accepté 100 000. Ah, ils me prennent 100 000! NASA a terminé imagerie satellite en premier. Allez, bâtard. Non, on s'en fout. On n'a pas bougé. Hein. Je pense qu'on peut faire les deux missions en parallèle. Construire un. Putain, il me manque de l'oseille. Impacteur de Vénus, véhicule terminé. Les bonus d'entraînement de mission ont augmenté de 100%, putain. Trop bien. J'ai que des trucs positifs là. Mission sans équipage, formation. En vrai, il est déjà bien. Continuez. J'ai 1 7 000. Date de lancement, juillet. 50%, sélectionner date, ça c'est ok. Confirmer la configuration de mission. Contrôle des missions, on va continuer. Construire un véhicule, 1 5 000. Ah, let's go. Allez au système solaire. Événement suivant. Bonne nuit, Luap. Adouing. Allez, let's go. Impacteur de Vénus. Là, on est premier sur pas mal de trucs.
On a des bons boosters. On a une bonne techno. Fiabilité, putain, on a 2% d'échoué, vas-y, c'est bon. Let's go. Attention les oreilles. 3, 2, 1. Décollage. Décollage. Amorçage. Nous avons décollé. Mais il y a personne dans la fusée, mec. C'est un succès, c'est un gros succès. Plus 1 sur la première tâche de la mission. Ah putain, c'est vrai qu'on a les trucs de mission après. Je sais pas si en répétant les missions, on peut regagner la même chose. Oh, il est beau. Ok, collecter 2, 2, 3 de poussée. Oh oui, d'accord. Cette tâche implique pousser une ressource spéciale souvent requise lorsque la charge utile comprend un changement d'orbite ou une correction de trajectoire. Bon, on termine cette mission, on fait la mission avec les humains et puis après, let's go. La poussée peut être générée par des commandes comme d'autres ressources, mais elle diminue souvent au début du prochain tour. Ok. Assurez-vous de planifier à l'avance afin de pouvoir générer suffisamment de poussée pour terminer la tâche. D'accord. Putain, il faut 3 de poussée. Alors, si je fais ça, après je fais ça et ensuite ça. En vrai, c'est large. Je peux le faire deux fois. Oh, putain, j'ai un 30% d'échec, j'ai pas vu. Là, j'échec. Ah non, c'est good. Ok, donc déjà, je suis quasiment bon sur la truc. 4 de poussée, j'en perds 1. Il faut forcément que je refasse la même. Donc là, je consomme 2. Ensuite, je me refais le truc de pousser. Comme ça, on est large. Bon, en espérant que ça passe. Bon, déjà, c'est un échec. Je peux pas résister de façon. Oh non, vraiment? Par manque de ressources. Et merde! Putain, je suis con! Je suis trop con! Oh le con! Ça va échouer! On va pas réussir! Là, on recharge l'énergie. Ensuite, convertis l'énergie en comme ça. Ou en double. Merde. C'est le seul moyen en fait que j'ai d'obtenir de la poussée. C'est de sacrifier des machins rouges. Ah, je suis deg. Là, je vais encore fail en plus. J'ai 30% d'échec. C'est chaud. Dernier tour, mais non, mais jamais j'arrive.
Là, je peux pas y arriver en fait. Là, je remplis tout, mais seulement si j'y arrive. J'aurais pas la récompense de bonus, mais je m'en fous, moi j'y arrive. Oh putain, on va te faire foutre. Bon, au moins j'ai réussi la mission. C'est pas ce qu'il y avait de plus ouf. Ouais, j'aurais pas eu les... Voilà, les trucs... Récompense de mission de 60... Putain, mais j'ai combien de trucs à faire, là? Oh non, après je vais être... Je suis pas censé avoir un méga... truc de ouf, là? Attendez. Impacteur de Vénus, je l'ai terminé en premier. J'étais censé avoir une récompense de malade. Récompense scientifique 2550 sur 9 mois. Elle est où la récompense scientifique de 2550 sur 9 mois? Phase suivante. Ah non, putain, c'est là. 3 mois. Non, 3 mois plus tard, j'ai la phase d'après, d'accord. Bureau de RP, recherche terminée. On va construire ça, je crois. Bureau de relations publiques, là. Construction. Bureau de RP, 500 000. Ça va me coûter une méga couille. Ça coûte combien, ça? 975 000. À la baiserie. Ça va finir par coûter de plus en plus cher, ça. Allez hop, on va construire ça. Définir la recherche. Ça, on est dessus. Ah mais il y avait la durée aussi qui était pas mal. En vrai celle-là je ferais bien celle-là aussi. Pour être prompt. Impacteur de Vénus est prêt pour la prochaine phase de la mission. Let's go. Allez dans la mission. Ok, phase 2. Avec mon truc tout pourri là, j'aurais dû mettre plus d'argent là-dedans. Chaleur. Collecter 2. Mais c'est trop chaud ça du coup. Accomplir cette tâche, vous devez contrôler soigneusement la température de la charge utilisée, celle-ci repostée par la ressource de chaleur. Ok. Viser à empêcher, oui, ok. La chaleur peut être réduite en sélectionnant les commandes qu'il utilise. Comme entrée, d'accord. J'ai compris. Alors, et à chaque fois on gagne plus 2 de chaleur, ok. Donc là, si je génère ça... Non mais c'est la RNG après. Hein.
là j'en ai deux. Je peux générer et ça et ça. Si ça réussit. Parce que là j'ai toujours 30% d'échec. Bon allez on va voir. Nickel. Putain. Trop bisous ça. Ah je vais résister. Mais ça me casse les couilles. Pas avoir un petit bonus là. Ouais un petit bonus. Petit bonus de rien du tout. Putain. Une chance sur 3 de se péter la gueule aussi là. C'est trop. C'est pas grave, mais... Là, j'ai plus 2. Ok. Donc là, je peux prendre énergie, chaleur. Alors, juste ça. Localisation ping. Ça me fait ça. Et ensuite ça. Ah merde, bah non. Ralliement orbital. Oh non, je vais enlever ça. Là, faut que je fasse des... Faut que je fasse des trucs comme ça, là. J'en crame 2, j'en ai 3. Bon, vas-y, je vais faire comme ça et puis on verra si ça passe. Un peu de chance pour une fois. Enculé. Peut pas être, bien servi, quoi. 3 pour 3. Coûtera un truc supplémentaire. Moi, ouais, c'est la vie. Hein. Ok, là j'en ai 4, 4, 2. Oh, là faut que je consomme la chaleur. Putain, c'est chaud ça. Je recharge de 1 et là je fais... Un, deux, en espérant que ça fonctionne. Ok. Allez, un peu de succès. Nickel. Ok, là j'en ai 8. Putain. J'en ai 8. Et donc là, faut que je troque. Mais là, il va brûler. Après, qu'est-ce que je vais consommer? L'énergie et ça. Ah, j'en aurais que 5. Si je fais ça, je pense que ça va le cramer. Oh, c'est dommage. J'ai trop des deux premiers en fait. Ah sinon non, j'aurais pu faire ça. Genre je fais ça.
ça. Là, en théorie, ça passe. Oh yes. Un peu de... Bah nickel. Entrer dans l'atmosphère. Impacteur de Vénus premier. 630 pendant 6 mois et normalement on a le... Ah mais il y a une phase 3. Du coup on a une phase 3 encore après. Ah non, peut-être pas. Je sais pas. Survol de Mars, recherche terminée. Orbite, équipage multi, préparation, lancement. Et let's go. Ah putain, mais il faut que je recrute des gens. Je recrute des gens. Jambo, test pilote. Longévité, test pilote. Électricien, commencer chaque tâche avec plus 1 de puissance, c'est bien ça. Plus 5% de fiabilité pour lancement, augmentation de l'âge de la retraite. Ouais. Électricien, je veux bien. Allez, Ebenezer. Je t'embauche. Et ensuite... Pourquoi il coûte aussi cher lui? Pourquoi il coûte aussi cher alors qu'il fait la même chose? Et en plus... Il part à la retraite plus tôt. C'est chiant. C'est bien complet, il est incroyable. Vraiment, ce jeu, il est incroyable. Merci, Ira. Merde. Merci, Ira, pour le savoir-faire à Warcles. C'est beaucoup. C'est parce que c'est un Lopez. C'est un Lopez. Non, mais là, c'est Roche. Signe Roche. Roche signe. En vrai, elle me coûtera moins cher, Yumi Bravo. Entre les deux. Ouais, elle est plus jeune en plus. Vas-y, je t'embauche. Je t'embauche. Affecté. 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 Confirmé. Formation, formation, formation tortue. Définir une formation ciblée pour améliorer les performances des missions. En vrai, fiabilité du lancement, fiabilité de la charge de la base. On n'est pas dégueu quoi. Augmenter la fiabilité de la charge utile. En vrai, ça c'est pour réussir la mission, ça peut être plus pratique. Date de lancement. On peut lancer en février. Ah, ils sont en recherche, hein, mais cherchez pas les mecs. Vous êtes dans les laboratoires, nous on est dans l'espace. Hein. Allez, let's go. Confirmer configuration de mission. Vérification du financement, on passera pas. Qu'une recherche définie, ah merde. Véhicule, moins 25%, let's go. On va prendre quoi? Bah ça, ça peut être pas mal. On est à 1087. Normalement, on a beaucoup plus. Astronaute. Lou, la kebab space programme, let's go.
Ono qui a réussi à la féliciter son agence pour son soutien après que certains médias l'aient accusé d'espionnage. Kebab Space Program m'a toujours soutenu, a expliqué l'astronaute. Ils m'ont fait passer avant tout souci de publicité et m'ont laissé faire mon travail. Le meilleur travail du monde. Bah oui. Vous êtes des ouf. Vous êtes des méga ouf. Vous l'avez laissé tranquille. Propulseur de Titan 2, quoi. On a quand même un truc. J'ai quand même une capa de 8000 kilos sur celui-là. La vérif du financement, c'est mort. Elle a bien augmenté, mais c'est mort. On en remet une couche. Propulseur Saturn 5. Rampe de lancement requise grand. Eh ben, let's go. On arrive à l'ère 3. Bâtiment. Elle est où la grande rampe de lancement? Elle est là. Oh. Bâtiment d'assemblage de véhicules. Faut chercher ça. Il faut chercher ça. Un bureau de RP est essentiel pour mieux faire connaître nos missions au public et obtenir un plus grand soutien pour notre agence. Débloque la formation de la mission soutien. Bâtiment d'assemblage des véhicules ou VAB. Et l'endroit où les véhicules sont construits et testés avant d'embarquer pour une mission. Let's go. Let's go, let's go. Orbite, équipage multiple. Allez, c'est parti. Normalement, il n'y a pas d'échec. Pas d'échec possible. On termine ça, puis après, on s'arrêtera là, je pense. Oh non! Mais non, il pleut. On l'a même pas renommé! Ouais, vas-y, ça le fait. Décollage. Ça, il n'aime pas la fusée. Ouais, mais... Voilà, quoi. Quoi? Moins un commande au premier tour de la première tâche. Mais sérieux? Sérieux? On a failli ce plantax. On a failli planter 1,5 million. Oh, le décollage en carton-pâte. Orbite équipage multi-février 1965. Bonjour. Équipage. Équipage. Bah, vu qu'on est plusieurs, hein... Il faut quoi? 10, 10 et 14? Mais sérieux? Alors là... Le presque remake. Il faut 5, 5 et 7 au minimum. On peut faire ça. Il y a pas. En vrai, 21% d'échecs, ça va. En vrai, une chance sur 5. On va voir. Oh, pas mal. Oh. Un signal supplémentaire. Ok, donc déjà en one turn, on a la... On a le délire. Après, je pensais genre...
Vu que j'ai trois personnes, je fais ça, ça. Il y a moyen que ça le fasse. Ah, mais j'ai plusieurs. J'ai quatre commandes à chaque fois. Un d'énergie, ça. Un d'énergie, ça. Vas-y, let's go. Ah, j'avais moins un de commande au premier turn, c'est ça. Oh non, un échec. Oh, ça, c'est bisous, ça. Oh, ça, je m'en fous au pire. Mais c'est chiant. Ok, donc là on a 14. Là je peux déjà faire ça une fois. Je suis déjà 14, putain. En fait, faut juste que je fasse un comme ça, un comme ça. Non, j'en ai pas assez. Deux comme ça, c'est mort aussi. Maintenant, en fait, deux personnes et ça, c'est bon. Pourquoi je me prends la tête? En fait, là, je me fais chier pour rien. Allez, bisous, hein. Et là, je le refais. Et puis, bisous, en fait. Non, c'est bien. Oh, le fait d'avoir trois équipages, chamboulé, quoi. Et voilà. Atteindre l'orbite terrestre. Effectuer tâche suivante. Effectuer une entrée d'orbite. Quoi? Mais non! Ils vont mourir! Peut-être ils meurent. Peut-être ils meurent en vrai. Chaleur équipage. Ok. 1 à 3. Quoi? Entre 1 et 3? Récompense bonus 16. Faut que j'en ai 16. Merci. Merci. Azura Rage Damon. Merci pour le 7e mois. Comment ça va? Putain, mais il faut que je consomme de la... Oh, il faut que je consomme de la... Oh merde. Bah oui. Il faut que je consomme ça en fait. Sinon, c'est un problème. Bon, on va voir si ça passe. Oh! Réussite critique. Moi, ça va tranquille. Passez une bonne soirée. Hein. Passez un bon week-end de manière générale. Deux réussites critiques, là, c'est pas dégueu. 8 et 8. Oh, ça pue du cul, ça. Chaleur critique. Ah, ils vont crever si je fais rien. Ok, ça c'est pas dégueu. Et après je peux en avoir une quatrième. Ça. 14, 14, ça peut être
Pas mal. Je crois qu'on a un membre d'équipage qui nous surbooste de ouf. Ah ouais. On a quelqu'un qui est très doué, je crois. Je crois qu'on a quelqu'un qui est genre vraiment doué de ouf. Ensuite. Bah là, normalement, on termine. Parce que là, j'ai repris que un. Du coup, réalignement orbital. Paf, là on est à 16. Je vais pas le refaire une seconde fois. Ah non, j'ai plus de feu, j'ai plus assez de... D'accord, j'ai plus assez de flamme. Et énergie, un gars, ça nous fait 16. On a le truc en plus. Et au pire, je recharge. Ouais, c'est pas mal. Bien, je gratte ça. Oh non, quoique. Connexion de contrôle au sol. Non. Je vais mettre de l'énergie au cas où, si jamais je me nique pour le prochain tour. Putain, mais c'est un truc de ouf! Truc de malade. Atteint 4. Oh non, mais là, c'est bon. Là, ils peuvent amérir tranquillement à bord de leur capsule. Merci Ninine. Merci pour le 10e mois. Petite question, c'est quoi les ressources bleues? Je sais pas. C'est des piles? Peut-être. Des piles ou un truc comme ça? Ouch. On a réussi. Récompense 480 pendant 4 mois. Récompense 1900, merci beaucoup quand même. Merci. 6005, on est à 6005 du coup, c'est pas mal. Statut de l'équipage, convalescence 6 mois. Ça va, il y a une mission tous les 3 jours. Hein. Non, c'est con, on vient de rater la vérification du financement quoi. Bon, on va définir une recherche et je pense après. Après, on continuera demain. On continuera demain. Ça se trouve, on fera qu'une dernière session sur ce jeu-là. Je sais pas pourquoi. En vrai, il est cool, mais. Est-ce que vous, ça vous endort pas plus que ça, tu vois? Ou je le finirai en off. Survol de Mars, c'est vrai qu'il faut que je fasse celle-là. Ah non, mais c'est 2400 au total. Plus des bonus. Non, nous, c'est les récompenses de soutien qu'on veut, là. Donc là, faut qu'on équilibre R2. L'air numéro 2. Construction 2 millions. Il faut qu'on maximise. Genre faire plus de petites missions là. On va se faire niquer mais. Pas mal ça, truc de visiteur. Ça c'est bien aussi. Thank you.
Allez où? Je vais sauvegarder, créer un nouvel enregistrement. J'avais pas sauvegardé depuis le début. Prochaine mission, aucune. Ah, avril 1965. Bon. Douche. Quitter.